Yo tout le monde, salut salut à tous, bienvenue dans la vidéo, c'est la merde. Je me suis connecté au moment même où il y avait quelqu'un qui était en train de taper la porte. Bon, évidemment, il y a eu des dégâts, on s'est pas fait piller, mais je crois que le raid est toujours en cours. Et il ne me reste qu'un seul pteranodonte vivant. Le mégalocéros, le puvlovia, là, machin, tout ça là, c'est mort. Diplodocus mort, deux autres pteranodons morts. Ils ont cassé les pics qu'il y avait devant qui protégeaient. Donc ça a tanké un peu, ça les a ralentis. Heureusement que je me suis connecté. Sinon, où on en serait quoi? En l'occurrence, je suis sorti pour voir ce qui se passait. Il n'y avait plus personne. Mais... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ce bordel. Il n'y avait plus personne quand je suis sorti. Et du coup, je suis sorti. Et il y a un mec en wyvern qui est venu sur moi. Et il m'a pris dans les airs, il m'a jeté. Ce bâtard. Voir ce qui s'est passé dans le journal des événements, si je retrouve le truc. Josefina, elle s'est vengée. A destruido tu muro de pinchos. Elle a cassé le mur de pique. Mon mégalocéros il s'est fait tuer par Tilacoléo. Tilacoléo qui a tué un pteranodon. Et mon Purlovia qui a tué par un Tilacoléo. Donc je suppose qu'il y a un Tilacoléo qui traîne. Mais pas ce que c'est ce truc là. Tangence du diable. Ok, bon je vais faire une sortie. Qu'est-ce qui se passe, bon sang de bois? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui traîne ici. Hein. C'est un carnot? C'est un carnot, mais je suis sûr qu'il y en a un qui traîne. J'ai entendu des bruits suspects. Non, c'est le carnot, hein. Il est level combien ce con? 60. Bon, bah, du coup, j'ai bien fait de me connecter. Mais bon. Ça n'a pas empêché que nos dinosaures se fassent tuer. Mais bon, ça c'est normal, hein. Ça je pense c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent s'il y a un mec qui s'acharne sur ta base pendant que tu es pas là. Merde, au bout d'un moment, vas-y ferme-toi. Au bout d'un moment c'est trop. C'est trop, tes dinosaures crèvent, c'est sûr. Par contre, ce qui est bien, c'est que les murs n'ont pas cédé. Même les premiers murs n'ont pas cédé. Et au moment où je suis sorti, ouais, ils ont lancé une bombe contre la base, ici. Parce que je l'avais déjà réparé, hein, et ça a reperdu de la vie. Donc bon, on est plutôt content. En vrai, ouais, vas-y, avec ce qu'ils veulent, quoi. Sérieux. Pas réparé, là? Non, pas cassé. C'est quoi qui est cassé? Il y a un truc qui est cassé, là. Réparé. Ok, bon, bah écoutez, voilà. Bon, c'était la petite frayeur là. Pic. On va refaire des murs en pic. Ouais, ok, je pense savoir ce que je vais faire. C'est qu'il faut faire des plantations, je pense. Plantations avec des fleurs toxiques qui balancent du poison aux ennemis. Comme ça, quand ils arrivent, bah, ils se font full spammer de poison partout. Après, je l'ai jamais fait. Donc. Bah, je sais pas comment faire. Et je pense aussi ce qu'il faudrait faire, ça serait mettre, peut-être, je dis bien peut-être, mettre des dinosaures à l'intérieur de la base. Parce qu'à l'extérieur de la base, en fait, pour protéger, je pense que ça sert à rien. Je pense que ça sert à que dalle. Parce que tout simplement, bah, il y a un mec qui se met là, paf, ici, et qui les snipe de loin. Bah, il les bute. Ou alors, enfin, peut-être une armée de Tilacoléo, de Purvlovier, mais. J'ai pas l'impression qu'il a été très utile. Hein. Est-ce qu'il a été très utile? On va voir. Ouais, non, il s'est juste fait buter, c'est tout. Hein. Regardez, il y a rien. Purvlovia, direct, poum, buté. Voilà, premier truc à crever. Hein. Oh là là, je me suis déconnecté à peine une heure et tout a été détruit. Tous les murs ont explosé. Là-bas, j'ai checké, il reste le pteranodon. Bon, heureusement, franchement, heureusement qu'il nous reste quelque chose. Ça nous permet de quand même continuer à avancer plus facilement. Mais ici,
Regardez-moi ça, tout est pété, tout est détruit. Ils ont explosé les murs. Et quand on check à l'intérieur, ils ont tout pris. Hein. Poudre à canon, narcotiques. Ici, tout le métal, tout a été pris. C'est terrible. On va voir le journal des événements un peu. Que dire? C'est terrible. Je me suis déconnecté, ça devait être 16h. Je me suis attaqué 20 minutes plus tard. C'est horrible. C'est juste horrible. Ils ont profité de mon absence. Ils devaient camper, je vous dis. Hein. Ils devaient camper à côté, ils devaient me regarder, comme j'ai fait avec Joséphine. Et en plus de ça, regardez, Terraplanistas, c'est eux qui m'ont attaqué, c'est des platistes. Me fait attaquer par des platistes. Et ils m'ont tout pris, hein. Ils ont tout pris, ils ont tout pété. Va falloir refarmer sévère, va falloir tout refaire les amis, c'est terrible. C'est la dure loi du PVP, mais la vengeance sera terrible.